Je voulais vous faire une petite vidéo pour Noël. Je ne vais pas vous parler de ce que représente Noël pour les chrétiens. Ça n'a strictement aucune importance et aucune valeur pour moi. Mais il se dégage quelque chose à cette période-là. La joie. S'il ne s'en dégage pas pour vous aujourd'hui, il s'en est dégagé à un moment donné. Vous avez le souvenir de cette joie. Cette joie que vous avez eue un jour de Noël. Cette joie, certes, peut être tous les jours, mais à ce moment-là, il y a comme une vague de joie collective. Ce qui est important, c'est de se connecter à cette vague de joie que l'on a eue, que l'on a ressentie à un moment donné. Et ne pas être pour ceux qui ne sont pas dans la joie aujourd'hui, qui sont dans la tristesse, parce qu'ils rêvent de revivre cette joie. Essayez de ne pas aborder les choses comme ça. Connectez-vous à la joie que vous avez ressentie, car cette joie, elle n'est pas morte en vous, elle est ce que vous êtes. Et faites-la vivre au présent. Ce qui est important, ce n'est pas le jour, ce n'est pas le 25 décembre. Non, c'est la joie. Le 25 décembre, ce n'est pas ce que l'on est. C'est une culture. La joie, c'est ce que l'on est. Il n'y a que ça qui doit être retenu aujourd'hui. Que la joie. La joie aujourd'hui, ou la joie d'hier, mais la joie. Et après, accepter qu'aucune date, qu'aucun événement ne puisse modifier ce que vous avez ressenti. Car ce que l'on ressent quand c'est la joie, ne dépend d'aucune date, ne dépend d'aucun événement. Ils sont, si vous voulez, les enclencheurs. Des enclencheurs extérieurs pour nous faire comprendre que ça existe. Autrement, on aurait oublié que c'était ça, que l'on était ça. Et il faut les laisser juste comme des enclencheurs extérieurs. Pas leur donner plus de valeur, car ils n'en ont pas plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est nous. C'est notre joie. Ça, c'est nous. Ça nous appartient. Ça dépend de personne. Par contre, ça dépend d'une seule personne. Une seule personne va décider. Est-ce que cette joie, je la continue tous les jours? Ou est-ce que cette joie, je m'en contente que de temps en temps? Ou est-ce que je pleure parce que je n'arrive pas à avoir cette joie à certaines dates? C'est à chacun de décider. On n'a pas à penser que on ne puisse pas. Si. C'est ce que l'on est. À nous de le vivre tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous pensez que c'est impossible? C'est vous qui le dites. C'est votre croyance. Vous préférez croire à cette impossibilité que de croire à votre possibilité que ça soit.
Vous préférez croire qu'il y a des jours qui vont vous apporter la joie parce que tout va aller bien, plutôt que de comprendre que c'est tous les jours de l'année, car vous aurez décidé d'être dans la joie. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Joyeux Noël? On ne doit pas le limiter à ce que c'est au niveau religieux. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout. Si je vous souhaitais plutôt joyeuse joie pour tous sur la terre, et pas simplement le 25 décembre, toute l'année, toute votre vie. Cette joie qui n'est jamais extérieure. Non. Les révélateurs de ce que l'on est, qui sont dans les fêtes, ne sont que des révélateurs de ce que l'on est. Alors décidez. Décidez réellement de vivre cette joie. Sans ne plus rien attendre d'extérieur. Car cela vous a déjà été révélé. Vous l'avez connu, vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Vivez-la.